Bonjour et bienvenue sur la chaîne PartyTeeClix, la chaîne entièrement en français mais pas du tout totalement consacrée à HeroClix. Ah l'escroc. Il pique les concepts des autres, il leur pique même le nom. Ah bon allez, un petit hommage à JD, le maître d'œuvre de la chaîne PartyTeeClix. Il fait régulièrement, quand il fait des unboxings, des bilans de ses ouvertures. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit bilan de ce que j'ai ouvert dans ma commande d'HeroClix reçue. Ah ben, il y a 15 jours quand même déjà. Bon, j'ai pu jouer un peu avec certaines des figurines, pas toutes. Je vais commencer à sérieusement me préparer pour le championnat de France. Et donc, je vous fais un petit bilan de ce que j'ai eu dans chaque brique, parce que ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Donc on a une brique, donc 10 boosters de 5 figurines, donc ça fait 50 figurines. Voilà le détail de ce que j'ai eu. Donc déjà pour commencer, alors on va pas parler des spéciaux qui vont avec certains personnages comme Gambit et tout ça. Je vais parler que des dés de base, donc les dés Wolverine, les dés Deadpool. Donc j'en ai eu 3, j'ai eu 2 Wolverine et un Deadpool. Donc il me manque un Deadpool complémentaire pour pouvoir faire le nécessaire au niveau de la collection. J'en aurai 2 chaque, ça sera parfait. Voilà. Ensuite, on va passer aux communes. Alors les communes, je les ai toutes eues. Elles sont toutes là. Voilà, j'ai un set complet, donc c'est parfait. Plus intéressant, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 communes en double. Donc j'ai eu un Wolverine en double, un Deadpool, un Wolverine 003, Lady Mastermind, Diamondback, Iceman, Copycat, Sunspot, un agent de l'Hydra, un Timebreaker. La plupart des figurines n'ont aucun intérêt, à part ces deux-là, puisque c'est des génériques. L'agent de l'Hydra et le Timebreaker. Bon, après, c'est des figurines. Hein. De toute façon, les communes, on sait qu'on va en avoir une bonne quantité quand on ouvre une brique. Alors, je n'ai pas eu toutes les Unco. Je n'en ai eu que 9 différentes sur les 16 possibles. Donc j'ai eu Wolverine, Wolvie, Morph, White Fox, Mystique, Jubilé, Scout, Bob Agent d'Hydra et Deadpool. Mais j'ai quand même réussi à avoir 4 doubles. Donc les doubles sont White Fox, Mystique, Bob Agent d'Hydra et le Deadpool. J'ai dans l'idée d'essayer de compléter ma collection au championnat de France, donc je pense que j'emmènerai ces doubles là pour voir, pour éventuellement récupérer les Unco qui me manquent. Au niveau des rares, là pareil, j'ai pas tout, hein, ce qui est normal sur une seule brique. J'ai eu donc le shérif Deadpool, j'ai eu Forge, j'ai eu Sabertooth, j'ai eu Rogue, Beast, Pandapool et Colossus. A noter que j'ai les deux versions de base des Prime, donc j'ai la Rogue de base et la Colossus de base, mais j'ai pas les Prime correspondantes. Pas de double. Là, on va commencer à sortir un peu les figurines, je pense, pour montrer comment elles sont belles. Donc j'ai eu en super rare Magneto, qui est vraiment une petite figurine splendide. On peut voir le mouvement de cap, on peut voir qu'il tient quelque chose qui peut s'apparenter à... Allez, fais le focus. Il peut s'apparenter à l'adamantium de Wolverine, je pense, le fameux X-Men 25. Moi, je la trouve très belle, cette figurine. Bon, je suis content de la voir. Si je l'ai en double dans mon CD, ça ne me posera pas de soucis. Voilà, bon, un petit attaquant sympathique, jouable en 175 ou 100 points. Ensuite, j'ai eu Gambit. Alors, Gambit qui est là avec son dé. Je retrouve la figurine que je n'ai pas préparée, bien sûr.
Le voilà le gambit avec son dé. Donc le dé a les 5 symboles de cartes et de face joker. Et quand vous tirez joker, bah, vous choisissez le symbole que vous voulez. Et les symboles ont des effets sympathiques. Quant à la figurine, bon bah c'est un gambit classique dans le costume X-Men aux alentours du départ de Chris Claremont, juste avant la relance avec le fameux X-Men 1. Rien spécial à dire dessus. La figue est jolie, la figue est efficace, la figue est peu chère. Là aussi pareil, si je la tire dans mon scellé, je serais content de l'avoir en double. Je pense qu'elle s'échangera facilement et je pense que dans mon scellé, ça peut être utile de jouer. Bon, le câble, ça c'est la figurine que j'espère ne pas retirer dans mon scellé. Bon, bah, je l'annonce déjà, hein, donc forcément je vais l'avoir, puisque je la veux pas forcément. Je trouve que la figue est très forte, mais pas forcément très forte pour jouer en scellé. Je pense qu'elle coûte trop cher par rapport à ce qu'elle fait. Il n'y a aucun réducteur de dégâts, il n'y a aucune capacité d'éviter les attaques, pas de relance, pas de change, pas de super sens. Donc ouais, éventuellement la jouer à 40 points pour avoir une TK, pourquoi pas. Mais si on peut pas utiliser sa capacité d'utiliser des équipements, je trouve un peu quelconque. Et puis bon, alors par contre, c'est vraiment la figurine qui reprend le style typique des années 90 et de Rob Liefeld avec les gros muscles et les gros flingues. Voilà. Je n'ai pas eu de Chase, par contre, j'ai eu une Prime SR. J'ai donc eu Vox Ignis que je trouve vraiment splendide. Donc, c'est un Banshee version Ghost Rider. Voilà, très belle petite figurine. Bon, là aussi, c'est pas forcément quelque chose que je voulais pour jouer. Je trouve pas la figurine forcément super super intéressante, mais elle fait le café niveau sculpture, donc c'est toujours sympa de l'avoir pour la collecte. Là aussi, si je peux éviter de l'avoir dans mon tirage de scellé, je préfère une Rogue, quoi. Ça sera plus efficace. Voilà. À tout de suite pour les autres briques que j'ai ouvertes.